Allô? Allô? Oh, comme l'eau. Comme l'eau, tu sais, dans Mario, en fait. J'aurais pu dire à l'huile. Mais c'est pas Super Mario Sunshine. C'est Super Mario Sunshow. Super Mario Sunshow. T'as la ref? Allez. Fin de stream, à bonne soirée tout le monde. C'était super, merci beaucoup, au revoir. Et c'est exactement pour ce genre de moment qu'il me faudrait une scène de putain à la lumière. Combien de temps je fais ça? Depuis combien de temps je fais ça? 2 ans. Et j'oublie tout le temps d'allumer ma lumière au début de stream. Obligé. Comment vas-tu Foxy? Comment allez-vous? Je crois qu'il y a principalement toi. Comment vas-tu Foxy? As-tu passé une belle journée? As-tu passé une belle journée? Je suis fatigué. As-tu passé une belle journée? Mais avant toi, as-tu passé une belle journée? Et toi, bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. J'ai travaillé, c'était mon dernier jour à la librairie où j'étais. Voilà, ça faisait un peu bizarre. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le futur. C'est pour vous, les amis. Ma scène, elle est vraiment claquée. Faut que je refasse cette scène un jour. Enfin voilà, du coup, je suis un peu fatigué, je viens de rentrer. Mais le Père Noël est arrivé plus tôt cette année. Puisque je possède Paper Mario and the Origami King, qu'on va faire en stream, bien sûr. En vrai, je me réjouis pas mal. J'ai entendu dire qu'il était pas ouf, mais je me demande comment un jeu Paper Mario peut être pas ouf. Je trouve qu'il a l'air très beau, d'après la boîte. Et j'ai une boîte entièrement en français, ce qui est très rare en Suisse. Donc il faut le noter. Il faut le noter. Et également, j'ai reçu, que je viens de tester, et qui fonctionne très très bien. La nouvelle manette. Pour PC, qui est très joli et qui file très good dans les mains. Voilà. Elle est vraiment très très agréable. Elle est vraiment belle, très très belle. En plus, il y a une application gratuite que je peux télécharger pour customiser la manette. J'ai pas encore tout compris. Pour l'instant, j'ai hoché la tête. J'ai fait oui. D'accord. Voilà. Et autre chose très importante. Ça a l'air con comme ça. Mais j'en ai parlé une fois. Que je kiffais grave l'étymologie. Et que j'allais acheter un dictionnaire d'étymologie. Du coup, j'en ai acheté un. Mais je l'ai pas acheté que pour moi, je l'ai acheté pour vous aussi. Et donc, il y a une nouvelle récompense de points. Où on pouvait demander l'étymologie de n'importe quel mot. Et j'irai chercher dans mon dictionnaire. Et s'il n'est pas dans mon dictionnaire, j'irai sur Google. Mais voilà. Ah là là. Quel upgrade. C'est vraiment ce qui manquait au stream, putain. C'est ce qui m'empêchait de devenir partenaire, quoi. Ils m'ont dit, vous n'avez pas de dictionnaire étymologique. J'ai fait, non, mince. Ils m'ont dit, bah écoutez, vous êtes recalé, en fait. Et j'ai fait, mais non, écoutez-moi, j'ai une famille à nourrir. J'ai des enfants, une femme. Au secours, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Et ils m'ont dit, bah écoutez, oui. Pas de dictionnaire étymologique. Pas de sandwich. Pas de chocolat, c'est ça que je voulais dire. Et voilà. Du coup, j'ai dit 6 000 francs. Non, je déconne. 20 balles. 11,90 €. Voilà, donc, plein de choses qui sont arrivées. Incroyable. Incroyable, incroyable. Et le début d'une nouvelle ère pour le streaming, puisque je pourrais ne plus streamer à 21h45, mais par exemple à 20h30, comme je faisais à l'époque, en fait. OMG. OMG. Voilà. Donc, tout ça qui est un peu blablaté là, c'est pas ça l'expression que je voulais sortir. Je vais gentiment lancer le jeu, bien évidemment. Si cela vous va et vous n'avez pas votre mot à dire finalement, je fais ce que je veux, je suis un adulte. T'as gagné la musique. Même si tu es très bien. Ça va te faire du bien à quoi l'étymologie ou de te rentrer plus tôt? Je pense que tu parles de rentrer plus tôt. Hein. Mais moi je fais partir du principe que tu parles de l'étymologie. Mais donc pour la suite, j'ai encore ma vieille manette bien sûr, hein, mais qui va très très bien. Elle est super. C'est pas la manette Luigi, mais bon, elle est bien quand même. Rentrez plutôt, ah oui, complètement. Et surtout, surtout, partir plus tard, OMG. Me réveiller presque 1 heure plus tard. Oh, ça va être cool. En gros, album, hein. Sur écouter la musique, ça c'est très bien aussi.
Pourquoi il pleure de sperme, Mario? Qu'est-ce que t'as fait, Mario? Big Booty Mario, là. Allez, hop. It's a me. Motherfucker. Enfin, voilà. Oui, oui. C'est, coucou, coucou. Et coucou, coucou à toi aussi, comment vas-tu? Boum. Et je me rappelle maintenant, je me suis renseigné, je sais comment on peut finir le jeu. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour finir le jeu. Ça va, j'avance Pokémon, t'en es où là? Oh, oh, je sais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, ça je savais. Il faut faire les 7 premières étoiles dans tous les mondes principaux. On va faire ça. On est déjà entré dans tous les mondes principaux, je crois. Mais quel est ton avis du jeu pour le moment, bien sûr, Liliam? J'ai fait une troisième arène et j'ai fait 2 épices et un repère. Mais on est obligé d'avancer si lentement, au MBO de fait. Non, je déconne. Je respecte que tu sois déjà à la fin, quoi. Tout simplement. Ça, on peut discuter un peu de cette fin, quoi. Mais ok, j'attendrai. Il y a toujours un peu de décalage avec le son, mais c'est pas grave, on s'en fout, on est pas là pour ça. Il y a un problème de genre, par exemple Kane qui a un corps d'homme et qui s'habille en homme et qui est une femme et c'est contre perso au genre douteux. Et on est au 21ème siècle, Liam OMG. Un peu d'ouverture peut-être. Ça ferait pas de mal, hein. Pas ça, non, je vois ce que tu veux dire. Ça, j'ai des petites souris qui sont plusieurs. Tu les as fait évoluer? T'as vu leur évolution? Ça, c'est très très cute en vrai. Saute, OMG! Je les ai appelés Sip et Siop. Mais de toute façon, c'est qu'un seul Pokémon, donc il peut avoir qu'un seul nom en fait. OMG Mario. Mario, t'es vraiment une grosse merde. Allez hop! Mario, merci! Comment je vais là-bas, OMG? Je vais mourir! Allez hop. Où c'est écrit tout collé, c'est le nom de Tic et Tac en italien. Mais pourquoi en italien? OMG, spaghetti, tout ça, là, putain, je suis raciste. Fin du stream, premier, c'est écrit dans le titre, première mort, j'arrête le stream, parce que c'est cute, OMG. C'est toi qui es cute, bébé, allez, let's go. C'est quoi le bon chemin pour aller là-bas? J'ai trouvé. Oh, bien joué le first, Liam. T'as carré qui va avoir le seum. Tu lui as volé son first. Y'a vraiment que Kara qui utilise ça en plus. Il y a une nouvelle commande hein, si jamais. Enfin récompense de 2 points de chaîne hein. Très important ce qui se passe. Hein. Je fais juste pour qu'elle ait le seum en arrivant si elle vient. Ah, elle a changé maintenant qu'elle a 15 ans. Bonsoir Axel, comment vas-tu? Vas-y. J'ai quand même l'impression qu'il me manque un power-up pour là-bas. Ça va être toi? Bah écoute... Oh! Mais what the fuck? Ça va plutôt bien, merci. Pourquoi j'arrive pas à faire le saut? Cher tes récompenses. Bah oui, bah écoutez... Hein? Il faut bien gagner sa vie, hein. Vous savez que je vous fais 10% sur les points, le nombre de points de chaîne que vous dépensez. C'est faux. OMG Mario. Mario, cette fois, Mario. Bien joué, Mario.
Énorme. Enfin, un autre niveau d'abord. Il faut que je débloque un bonus que je n'ai pas. Faisons ça. Lui là. Je sais plus comment on les débloque ces trucs. On va aller là. J'aime bien ce monde. Sloop. Et Axel, il t'a jamais répondu. Coup dur. Hein. En même temps, il est en train de jouer à Minecraft. J'ai fait que 2 étoiles ici. Ah bah c'est pour ça. Ah mais oui, parce que je suis tombé. Je me rappelle. Je me rappelle. I remember now. J'aime pas du tout cette étoile. C'est pas des étoiles, c'est des soleils, bro. Ok, bro. Ok, ça commence très très mal. Allez hop. Tu es sur 12 streams, il apparaît sur 12 streams. C'est pas qu'il suit 12 streams, c'est qu'il est sur. Il apparaît en tant que guest sur 12 streams en même temps. C'est compliqué. Mec. Ah mais c'est un ennemi lui. Don sur Popcorn bien sûr. Puis je viens de remarquer que t'es mardi soir. Y. Ouais. Allez vas-y là. Oh là là. Trop fort. Que quelqu'un arrête cet homme. Mais pas littéralement parce que la dernière fois ils m'ont fait tomber et puis après j'ai pleuré un peu. Et viens là bro. Oh les esquives. Oh les jukes quoi. Ok. On est pas mal là. Maintenant où est-ce qu'il faut que j'aille? Ça je ne m'en souviens plus. Déjà je dirais de l'autre côté en fait. Mais... Attendez. Ok. Ok. Hola, 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 qu'est-ce que c'est bon. Ah, tu n'es plus que sur 11 stream. T'as choisi ton corps et ça fait plaisir. Attends, je suis concentré de ouf là. Ça fait le test du sorceleur, mais non, mais j'ai pas la ref. Enfin, j'ai pas les refs. Donc j'ai pas fait pour le moment. En fait. Oh là là, ce saut là, vous l'avez vu ce saut ou pas? Tu vois en OSP de The Witcher 1, ouais en fait ouais c'est une bonne idée. En VOD sur ma chaîne Twitch. Oh moi je regarde pas les VOD des gens. Je regarde déjà pas les miennes. Je déconne, je regarde les miennes. Parfois. Parce que je me trouve putain de drôle. Parce que je suis un putain de génie. Vas-y, frappe-moi. Aïe. Non. Let's go. Ça y est, parce que si tu fais un ground pound, tu traverses le truc, c'est terrible. Bah tu pourras te rattraper sur le 2 ou le 3 ou le remake du 1 ou la suite avancée du 3 ou le RPG ou les autres. Moi je lis les livres, moi. Non je déconne, j'ai le livre 1 en plus. Mais je l'ai pas lu. Est-ce que je spam car il y a plein de gens?
Non, tu spammes tout court. Mais pourquoi t'as besoin d'une raison pour spam, mec? Trois jeunes, ils ont refait des poches beaux. Ah, ils ont fait des poches beaux, ils ont raté les trucs de la série, là. C'est pas si mal, ça. Oh non. Ouais. Objet. Ce saut du démon. Comment on va en haut déjà? Ah oui, comme ça. Je vais pas écrire Jean et je l'ai écrit. J'en peux plus de mes brain fart. Moi j'en peux plus de mes farts tout court. Voilà, le problème de fatulence, quoi. Non! Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bien fait. Bien fait, Mario. Tralé. Il wall jump, quoi. Hop! Allez, c'est parti, je vais mourir plein de fois. Ça va être super. Qu'est-ce que vous faites de votre journée, les amis? Oh non, ceci, ça va encore, c'est pas le pire. C'est pas le pire, ceci. Non, c'est pas le pire, ceci. Le pire, je crois qu'on l'a fait, déjà. J'ai prévu de lire les bouquins en stream. Putain, le mec. Clutcher. Ah. En vrai, c'est mené. Ça fait un truc qui dit ça. Ça ferait... Est-ce que ça compte théoriquement comme un jeu en plus à faire? Non. Oh, clutch. Oui, et oui. Ah ouais, ok. Ah, j'ai reçu le dernier Paper Mario là, enfin le dernier, il est sorti à un moment, sur Switch, je me réjouis de le faire. Comme Monkey. Ah oui, j'y pensais d'ailleurs en rentrant chez moi. Ou est-ce que tu t'avais continué ou pas? Et quand est-ce que t'as besoin des putains de voice actors, quoi? Non! Non! J'ai oublié de sauter! Dommage. Et j'ai du chocolat. Je suis un malade. Faut que j'annonce et que je prépare. Et déjà, faut que tu finisses le premier, quoi. C'est comme si j'avais dit, j'ai oublié de respirer quand ils sont Mario. Non, mais ça m'arrive souvent aussi. Donc ce serait très probable. C'est vrai que c'est un peu con d'oublier de sauter. Non mais à part ça, j'ai... Au risque de passer pour un rageux nouveau, je vais nous mettre la faute sur le décalage entre le moment où j'appuie sur la touche saut et le saut. Voilà. Mais je parlais des gens qui... Des gens pour le deux. Oui non, je pense qu'en effet c'est bien de finir là comme tu l'as fait déjà. Rageux, mais oui putain je suis un rageux. Mais c'est vrai, il y a des... Écoutez. Écoutez, bon, j'appuie sur la touche A. Et quand même, on se dégage. On est d'accord. C'est comme ça dans Mario Sunshine. Bah, c'est un jeu de merde, voilà. Je l'ai dit. Non! Non! Mario! Let's go! Hello! Oui, rien à dire. Non, mais il est pas mal le jeu. Mais du coup, ils auraient... c'est peut-être comme ça dans Mario Sunshine de base, mais ils auraient peut-être pu corriger ça dans le... Dans le... Même si c'est juste un putain de port de merde et que c'est pas du tout un remaster ou quoi que ce soit, mais...
Tu les lances maintenant, mais pas trop loin par contre. Tu lances quoi? Ma dignité? Je vais finir le jeu 100% avant que toi tu fasses en 12%. 12% mais mec! Je suis déjà en dessus du 12%. En fait, mec. Mec. Bon, rien qu'au niveau des soleils, je suis à 20% là. T'es à moins 4%, putain, ça fait mal. Ok. Heureusement, il y a des vies, on peut continuer à l'infini celui-ci. Là, c'est le décalage. Là, j'ai clairement appuyé sur A. Vous ne l'avez pas vu, mais moi je le sais. Allez hop, on y va. Speedrun. En vrai, j'ai vraiment la sensation que ces niveaux, c'est les précurseurs de Mario Galaxy un peu, hein. Quand même. Parce qu'on pourrait, voir des niveaux de Galaxy là-dedans, en fait. Mais il est simple, la première partie est simple. La troisième partie est plus dure. Boum. Regardez-moi ce skill. Oh mon jeu. Oh mon jojojo. Non. Oui. Nous y sommes. Nous y sommes. Ok. Il y a encore une vie là-bas, hein. Ça donne envie, hein. Ok. Pourquoi la première fois c'est la fois où je suis allé plus loin quoi, what the fuck. J'ai raté la vie, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que tu fais? T'es un malade Mario. Mario t'es un malade. T'es un putain de malade. On y est. Ok, maintenant, faut pas tomber. Je serais tellement capable de tomber à la fin. Et on a fait une étoile. Ah non, c'est la deuxième étoile qu'on fait en fait, j'ai rien dit. En vrai, pour finir le jeu, je suis à 50% quoi. Oh, OMG, ça c'est ce dont j'ai besoin. Allez, on va le niquer. OMG. Non, salaud. Viens là. Que je te batte le fion. Viens que je te batte le fiac. Mais mec. Alors, petit merdeux. J'arrive pas à le choper. Il est tellement loin que la musique a disparu.
C'est moi le jeu lag de ouf, hein. T'es... Wow, Foxy. Oh là là, Foxy qui sort les refs, quoi. Il va, c'est où? Le truc. Je disais aussi que c'était bizarre. Très très bien joué, Axel. Mais comment tu fais pour pas avoir la ref? On n'arrête pas de la faire sur le Discord. C'est le nom de ma pioche dans Minecraft. Ah, c'est vrai? Incroyable. ZR. Ok, nice. Du coup, on peut aller finir ce monde. Here we go. 10 years in the joint. Made you a nice person. Ça la ref en fait, Foxy. De quoi il parle, lui? Merde, j'ai plus l'amélioration là. Bannez-le. C'est parti. Moi, c'est genre de paroles. Terrible là, presque sexiste finalement. Hein. Moi, ça me dégoûte. Tu es un stand Ishiki. Tu vends du merch. Et où est la putain de caisse là? Là. Là-haut. That's what I need. Mais attends, il est rouge. C'est beaucoup sourire le coup de la pioche, c'est un malade. Mec, t'es un malade, c'est pour ça. Simplement un putain de malade, mec. Pourquoi le rouge là-bas en haut il est. Ok. Chelou le jeu. Dix ans dans le joint. Attendez. Attendez. C'est quoi ce bruit horrible là? Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Ah, c'est là-bas en haut. OMG. Moi j'ai envie d'aller là-bas en haut. On fait de toi un chat. Exactement. Exactement, mec. T'as tout compris. Ah non, cette petite merde là qui chante là. Il se croit à un concert de Chimène Badi ou quoi? Mais what the fuck, mais quel connard! Putain! OMG! Ils aiment pas Chimène Badi! En vrai, j'y comprends. Je pourrais même pas dire ce qu'elle chantait. On y est, ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ça. C'est pas ça. Voilà. Voilà, voilà. I mean. Boum! La quête abuse. Ah non, ça c'est pour décoller, ça. J'ai pas besoin de ça, moi. Moi, je voulais le gris. Ok.
C'est pas du tout ça que je voulais. Je suis très déçu. Je vais mourir. C'est terrible ce qui se passe, les amis. Achève-moi. Mamma mia. Here we go again. Pourquoi le suicide? Parce qu'il me restait un PV. J'avais pas la force de continuer. Mais j'y retourne plus fort. Putain, mais je sais pas comment atteindre ce putain de secret. Enfin... Parce que c'est la seule solution. Non, ce n'est pas une solution. Tu veux dire leave Britney alone? Attends, tu disais dans le jeu? Oh non, 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 mec. Non, en vrai, oui, t'as raison. La mort ne nous tue pas, elle nous rend plus fort. Elle demande ça aux, demande ça aux juifs à Auschwitz, ouais. Faudrait une pièce. Gagner, j'ai une note de death, made you stronger. Pas mal, mec, je suis bref. Actuellement, je suis en mode OMG parce que simplement, OMG, j'ai la ref en fait. Ok, on va tester une nouvelle stratégie. Ça marche moyen, mais c'est un peu drôle quand même parce que c'est la ref. Hihi. Mario en mode hihi. C'est Mario ou c'est Michael Jackson, what the fuck? Ok. Ouais, je vais faire un truc genre un son de raid ou un truc en style. Moi je trouve ça très drôle là, mais... Mais faut le contexte, hein. Mais c'est très aimable de ta part de me le laisser. En vrai, si tu veux le prendre, tu peux. Mais OMG Mario, apprends à sauter une fois que t'es dans l'eau, mec. Mais je pense que j'ai pas du tout la bonne stratégie pour faire ce passage. Mais là, il y a des pièces après. Oh putain. Mec. Qui l'eût cru? Pourquoi avoir de contexte quand j'aime pas les raids? Ouais, tu dis ça parce que t'es pas encore fait raid par moi. Ah si, en plus. Non, c'est toi qui m'as raid. OMG. Décidément, je crois que c'est vraiment pas la bonne technique. Sauf que maintenant, il faut que j'atteigne le bout. Oh, OMG. Non, faut pas qu'on meure. Faut pas qu'on game over. Sinon, ça va être terrible. Dis-moi qu'il y a une vie sur le chemin. Dis-moi qu'il est facile celui-ci. Je sais plus quel c'est. Oh. Je crois que celui-ci est horrible. Le début, ça va. Ah, y a une vie au début. Ok, easy. Ok. Demain, tu bosses? Nope. Pourquoi? Ah, pour savoir à quelle heure je vais arrêter? Laisse gauche qui a pas d'or, je vais me chercher à boire. Oh non, ça va être terrible. Oui, je me rappelle de celui-ci maintenant. Mais j'ai deux vies. Oh là là. Rubik's Cube. Bon, ça va, il est pas horrible. Il est pas horrible, il est pas horrible.
Je sais pas trop où je vais. Oh, OMG. Oh mon cul. Oh putain. Premier coup. Let's go. Et en plus, ça a gagné 2 vies. J'y croyais pas. Hein. Merci Foxy d'y avoir cru. Moi, j'y croyais pas. J'étais si concentré. Ségolène Royer. Et on va finir ce monde. Normalement, ça c'est Shadow Mario. Oui. Après, on a plus besoin de revenir ici. Clash Royale. Moi j'ai fait Ségolène Royer comme quoi je sais sa blague. Mec. Alors il peut... Ok. Il peut nager dans l'eau. Mais par contre si je l'asperge j'y prends des dégâts. Pourquoi ces wall jumps sont bien meilleurs que les miens? Il est où le bâtard? Quelqu'un voilà? Il est où? Putain, il est juste en dessous. Attaque surprise! Boum! Bien là, mec. Voilà, boum! On l'a eu! S'il te plaît, laisse-moi choper. Ah, au secours! Merci. Et boum, un monde de fini! Plus que 6. Hier j'ai fait une dingue. Hier pendant que je regardais ton stream, Axel, j'ai bossé sur des miniatures d'anciennes vidéos. Du coup sur des anciennes VOD qui ont des miniatures maintenant, c'est dingue. Du coup, le jeu sur lequel j'ai fait le plus de stream, depuis que j'ai commencé les VOD en tout cas, c'est Yakuza Kiwami. Voilà, vous saurez. Avec 11 VOD. Elle sert à rien cette étoile, mais je la prends pour le plaisir. Yahoui! Yihi! Yakuza, ah ouais! Ouais, Yakuza, ah ouais, ouais! Ah ouais, j'ai remarqué que j'avais passé une chier de temps sur Yakuza quand même. Mais le temps passe vite quand on s'amuse, hein. Méga Bloops contre-attaque. Méga Poulpi. Mais non, c'est plus Méga Poulpi maintenant. Il a perdu son titre. Parce que 10 ans en prison là, a fait de lui un chat également. C'est ce que j'attends là? Ok, c'est bien ce qui me semblait.
Vas-y, on voit la sauce. Lui, je peux plus faire monter. Hein. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Ah, j'ai roté. Ça fait du bien. Mais Mario. Bleup. Voyons Mario. Mario. Comment on va là-bas déjà? Par là, je crois. Hein. Oui. Non. Pas un peu d'eau là? Y'a ça. Et dis-moi la gueule. Vas-y, dis-moi le mot. Il me faut un mot, par contre. Sauter. Alors. Bon, ça, c'est à mon avis, ça va être assez simple. Simplement un verbe latin, à mon avis. Hein. Alors. Sans. Sauter. Wow, c'est si long. Alors. La première utilisation date de 1175 chez Chrétien de Troyes. Ça découle de saltare, fricantatif de salire, éliminer. En latin populaire, qui a donné notamment saïr. Voilà, ensuite. Bah, c'est ça en fait. Non, après, c'est juste des autres mots de la même famille. Donc, ça vient de saltare, éliminer. Qu'est-ce qu'on élimine quand on saute? Est-ce qu'on élimine notre contact au sol? Peut-être. Ah non! C'est saliré. Non, pardon, j'ai mal compris. J'ai mal compris mon dictionnaire, j'apprends à le maîtriser. Saliré qui a été éliminé dans le latin populaire. Qui du coup, ça donnait saltare. Et du coup, saïr va nous donner le vrai chemin. Hop, saïr. Il faut que j'apprenne à utiliser mon dictionnaire, hein. ça, voilà. Alors, qui apparaît pour la première fois en 1080. Qui signifie sauter. En fait, sauter vient de sauter en latin. Voilà, qui l'aurait cru. J'ai connu de parler de langue morte, je vais finir comme Mario. Rompchi. Vas-y, fais le rompchi. Moi, je suis un stream ASMR. C'est pas des langues mortes, elles continuent à vivre en nous, en fait, bro. Toi, t'as jamais fait de latin, toi. Hein. J'ai un prof, si on disait que c'était une langue morte, il nous démontait. Tiens, mais non, c'est pas une langue morte, en fait, le français découle du latin. Ma grand-mère, t'es mort et elle vit en moi. J'ai dit ma grand-mère t'... Ouais, je suis comme ça, moi. Pourquoi il y a deux énormes boules à l'arbre, là? Et en fait, découle de mon envie de vivre et pourtant les deux ne sont pas là. Non. À cause de toi, j'ai failli mourir. J'aimais bien ce monde avant, mais maintenant je crois que j'aime moins. J'arrête pas de tomber. Mais il est si loin! Comment je fais pour l'atteindre? Je peux pas l'atteindre par là. Où est-ce que je vais, moi? J'ai pas du tout pris le bon chemin, moi. Pourquoi je suis allé là-bas, moi? Parce qu'il y a une pièce bleue. Description du jeu. Je sais pas laquelle des nombreuses expressions que j'ai utilisées fait la description du saut. Du jeu, pardon. Du saut. Non, je suis sur l'étymologie, moi, encore, mais... Mais alors ça, je suis bien là, j'aurais pas dû passer par là. Allez, on peut le faire. Non, on ne peut pas. Allez, au revoir. Prenons un autre chemin. Ouais, ah non mais... OMG.
Regardez. Master... J'ai pas ce pouvoir. Du moins, pas de manière officielle. Donc on va prendre notre chemin. Yahi! Attendez. Toi, tu me lances, toi? Pardon, je suis désolé, je voulais pas faire ça. Jusqu'à l'héliport. Merci, bro! Bon. Je me suis fait game. Tu es au spawn, quoi. Oh non. Fight, oui, mais pour l'instant, là, Jean-Mich, là, En vrai, j'aime bien ce boss. Il est assez agréable à faire. Et là, il pousse ses cris de l'enfer, là. C'est terrible, le pauvre. Ok. Je vais nettoyer la gueule, là. Petit porquinou. Et hop, on est bon. Voilà. Oh, le pauvre, quoi. Le pauvre. En même temps, c'est vraiment une merde, ce type, donc bon. Trop facile ce jeu, simplement trop facile. Mario win. Kazuya Mishima wins. Waouh, c'est entré dans la peinture. Incroyable. Comme dirait Super Smash Bros, exactement. Ah, j'étais sur le Kazuya Mishima, moi, tout le monde. Félicitations! Bien sûr, nous sommes en pensée avec Axel, qui n'est pas là pour nous faire son son. Elles sont les pièces rouges, elles sont sur l'eau. Je crois qu'elles sont sur l'eau, avec le poulpe. Je crois, je suis pas sûr. Je l'ai fait sur ma soundboard. Tu l'avais pas déjà sur un soundboard? Félicitations. Ah, tu l'as fait de ton côté. Pardon, sorry, je suis bête. Yes, you bet. Giorgio Darmani. Ah non, elles sont pas là, les pièces rouges. Elles sont les pièces rouges, même. Je suis sûr qu'elles étaient sur l'eau. Est-ce qu'elles sont juste dans le niveau, en fait? Oh, ce serait nul. Hein. Oh, le virage de la mort. Maintenant, comment je me débarrasse de mon poulpe, là? Si je vais là. Ah oui, il me semblait bien que je pouvais pas m'en sortir, en fait. Oh, il me ressort à chaque fois. Il n'y a pas de race, hein, quand même. Tu vas te cogner, non? Ouais, mais du coup, bah, je suis mort. Pourtant, je suis super cogné rapidement, hein. Pourtant, il me semble que j'étais plutôt calme, quoi. Mais sur les pièces rouges. Comme j'ai.
Ah non, mais je suis obligé. Tu dois tout faire le niveau avec, faut parler. Ah, faut parler au gars. Ah, merci mec, bro. Oh là là, mais je suis pas dans un RPG, je vais pas commencer à parler au PNJ. Ah, ces gros boutons là. Par exemple. Ramasse 8 pièces rouges avant la fin du temps parti, bonne chance. Oh, je vais jamais arriver. Combien j'ai 2 minutes? J'ai raté une. Demi-tour. Raté. Ok. Oh! Oh, quel monde insupportable! En plus, il va me ressortir à chaque fois, quoi. Oh, le bro, quoi. C'est parti, les amis, on est sur le point de nous amuser. Oh là là, ça va être énorme. Allez, on est des speedrunners. On va suivre le chemin cette fois. Là avant j'ai voulu prendre un raccourci là. Oh shit! Oh shit! Oh putain! Il était bon mon virage. Ah, game over. La seconde. T'as le fait que ça te one shot si tu touches quelque chose, ça me fume. Surtout que c'est un peu impilotable cette merde. Et pourtant j'ai pas le plus rapide hein. Je prends celui du milieu hein. Allez, on lâche rien. C'est l'avant-dernier monde de Porto Rico. Enfin, de Porto Rico. Allez. 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 Ah ouais, 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 ouais. Boum. Je suis concentré, je ne vous lis pas bien sûr. Voilà, ça m'apprendra à être concentré. Allez hop! On est dans Minecraft ou quoi? C'est le portelito? Non. Non, c'est le Porto Rico. C'est écrit au début. Moi j'ai la ref aussi. J'étais là sur le stream quand elle a fait ça. Et après je me suis cassé du stream comme je fais toujours. Ah non, j'étais. Non, je sais plus ce que je faisais. Je vais sûrement jouer. À côté. Le port est mieux que le mien. Ah, j'ai pas vu le vrai, par contre. Enfin, pas assez. Enfin, le tien donc. Le tien est le vrai, ça c'est le faux. Bon. 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 Je vais prendre un autre. Je vais prendre le vert. Merde, le vert c'est plus rapide? Non, il est là. Je sais pas, je vois, je vais pas à diff. Non, il est plus maniable lui. Lui est plus maniable. Allez. Putain. Et le fait que ça me sort du niveau à chaque fois, ça me rend fou. Et que ça me remonte la petite cinématique là, regarde, va dans ce monde là où tu as déjà fait 3 étoiles là-bas. Ça me fume. OMG. Il a dit open salami. Il a dit open salami. J'ai entendu open salami. Attendez. Ça c'est très important. Ça c'est le catchphrase de Mario. Open salami. Mario Sunshine. Attendez. Déjà hop. Open salami.
open salami. Oh non. Pourquoi ils ont dû mettre que quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas été. Ouais ou pas. Pas du tout même. Il m'a sorti open salami. Mais c'est une vraie catchphrase. Hein. Je sais que j'avais déjà entendu, mais... Là, il l'a sorti, là. Dans Mario Sunshine, il l'a sorti, j'ai entendu. Attends, Super Mario Sunshine. Bye bye. Ciao. Watch. Watch it. Mama. Ah. Open salami. Il dit vraiment open salami. Ok. Il y a de quoi faire hein, dans ces sons aussi. Hein. Il dit vraiment open salami. Oh, what the fuck. Open salami. Mais j'avais entendu cette rumeur qui disait open salami, mais je crois que c'était un mensonge. Je crois que c'était une fable, une légende. Mais non, il a vraiment dit open salami. Oh là là. C'est vraiment un san. Open ça là. Putain, je vais avoir dans la tête. Je vais avoir dans la tête tout le long. Mais putain! Attendez, on fait le tour. On fait le tour. Hein. Hop, hop, hop. Bonjour. Ok. Je peux ne pas accélérer. Ça aussi, ça me semble être une stratégie qui peut être pas mal en fait. Il me reste combien? 1 minute 20. Hein. OMG! Putain, si je rate ce saut, c'est fini. Hein. Enfin, non. Non. Si je panique, c'est fini. Et vu que dès que je rate le saut, je panique, bah voilà. Mais. Il l'a redit. Il vient de leur dire. Il a de nouveau dit open salami. OMG. Open salami. Oh là là, quelle voice line de ouf. Maintenant, dès que j'ouvrirai la porte de chez moi en rentrant le soir, après une longue journée de travail, je dirai open salami. Là, il y aura des gens cachés chez moi qui sortiront de leur cachette et qui applaudiront. Allez-y, hop, là, le virage est serré. Mais putain, mais comment j'ai fait pour rater? Je vais à deux à l'heure. Boum. Non. Elle est où la dernière pièce? Non. Oui. Elle est entre les deux bateaux? Ok. Je vais mourir, hein, d'accord. Hein. Attends, maintenant, elle est où l'étoile là? Sauf que. Voilà. Sauf que. Sauf que j'ai raté mon saut. Et du coup, je vais recommencer. Putain, mais quel jeu de merde. Non, il peut pas sortir du poulpe en fait. Et c'est pas la pire mission, hein. La pire mission, ça va être celle de la pastèque. Hein. Je sais pas si vous connaissez la mission de la pastèque. Mais on va devoir faire la mission de la pastèque. Oh,
64, il y a 0 mission chante, si. Si. Galaxy, il y a 0 mission chante. C'est Galaxy, Masterclass, bien sûr. Allez! 100 pièces, mais en vrai, ça va, non, c'est un supplé 100 pièces. Si tu me parles des comètes, mec, c'est pas des missions, c'est des comètes. C'est pas pareil. Ok, j'ai aucune raison de me stresser. On y va tranquille. C'est plus des comètes, c'est de la mauvaise foi. Mec, ça, c'est juste des comètes, mec. Du coup, ils veulent que je saute par-dessus le bateau. Ok. Pas comme ça. Ok, maintenant, faut pas que je rate. Faut pas que je rate. Alors, on va bien prendre notre temps. Le jeu, tu m'aides pas là, merci. Ok. On prend un bon virage. Là maintenant. Faut pas que je rate mon saut, sinon c'est. La mort. Mais putain, Mario! En plus, t'as pris le plus rapide! Open salami! Non, je sais pas maîtriser cette chose. Il a ressauté sur un poulpe, il a juste changé de poulpe, le mec. Il est fou. OMG. Niveau de la flotte dans Galaxy, il est pas ouf avec la course. Non, ça va, mec. Ça va, mec, je trouve que t'exagères. En vrai, j'ai pas trop de soucis avec ce niveau-là. Ah bah voilà, on a l'autre maintenant. Niveau de l'eau avec la mauvaise foi est pas ouf. Quoi. Ah mais t'es un petit rageux toi, c'est comme ça que t'es. Je le savais hein, mais... Waha! Tu veux juste qu'on doit faire les 7 premières étoiles dans l'hôtel là? L'hôtel il est un sup. Enfin il coule et un sup en même temps. Allez viens là petite merde. Ouais l'idée est fun mais je trouve que c'est... Se balader dedans c'est un sup. Oh non, je vais pas réussir à faire comme lui. Y'a là, mec. Ah, le nul hausse. Voilà, on a tous les power-ups, je crois. Mario. Allez, on retourne là. Dernier monde à faire sur le port de Rico. Rico Sanchez. Anti-Mario se fait arroser. T'as le titre du porno, quoi. Ça va être le stream, on va courser Anti-Mario. Mec,
Il est où? Mais mec! Ah oui, je peux faire ça. Ça, c'est vraiment le pire monde, n'allez pas dire. Il me stresse trop. Ok, on a touché là. Mais mec! Oh! Non! Allez, viens là! Je suis beaucoup trop intensément Mario Sunshine. Mais mec! Mec? Ah bah voilà! Allez! Let's go! Ok, j'ai compris, je n'aurais pas. S'il te plaît, mec! Merci! Ok, quel niveau on va finir après? Prochain monde, allez hop! Allons parler d'attraction. Ça c'est fait. En vrai, on pourrait presque faire le pachinko. Hein. On gardera ça pour plus tard. Allons-y, let's go. Boum. Le quoi tu as dit? Le pachinko. C'est une terrible étoile. Je pense que c'est la pire étoile du jeu. On le fera une fois qu'on aura fini ce monde. Ça te va. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse dans ce monde. Boum. Ah, il y a un méchant tout en haut. Il va falloir que j'élimine. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais? Début du pachinko, exactement. Elisa Chua du sapin, édition... Zoué en grand format, I guess. Folio en poche. Trop de fils pour Mario, mec, je comprends ta vie son boule. Où est-ce que je vais, moi? Ah! Oh, la technique de speedrun! Oh non, le jeu qui m'a dit non, tu ne speedrunneras pas. Speedrunnera pas. Oh, d'accord. Et là, si je fais ça, je fais... Pourquoi je peux pas la retourner? Ah, c'est avec l'eau. Ah oui, c'est ça. J'ai des fils en regardant le jeu, pas pour le jeu en soi, mais pour les amitiés d'époque quand où j'y jouais. T'avais encore des amis, bien sûr. T'inquiète mec, on est là pour toi. Enfin, on. Les gens du chat sont là pour toi, moi je suis là pour la thune. Voilà. Yes la caméra, merci. Ok. Ok, j'ai eu chaud là, j'ai failli... Choke. Oh la caméra quoi.
Blah. Non! Oh, mon plan de mastermind, quoi. Je suis vraiment en train de big brain le jeu, en fait. Big Brain Academy. Plan de Monster Munch. Je crois que ce niveau m'énervait. Putain, mais en fait, est-ce qu'il y a, y a quoi comme bon niveau dans ce jeu? À part l'oiseau de sable, bien sûr. L'oiseau et les sans-eau. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas énorme, hein, finalement. Non. Dans Mario 64, il y a des bons niveaux. Par contre, dans Mario Galaxy, il y a que des bangers. Hein. Surtout au niveau de la course, là. Putain. Je sais qu'il y a un niveau de neige qui est chiant, mais sinon, le reste est marrant. Il y a deux niveaux de neige, déjà, donc c'est un niveau de neige en trop. Hein. Le niveau de neige dans les plateformeurs, là... Non, j'essaie de faire des raccourcis là, mais ça me retombe dessus. En fait, tu fais Sunshine pour faire Galaxy, c'est ça? Mais parce que j'ai jamais fini Sunshine, j'ai envie de finir Sunshine. Ah, je me suis bloqué. Wow. Dire que tu pourrais être sur 64, mais c'est celle que j'ai pas envie de faire en fait. Parce que je l'ai fini une fois. Et puis ça m'a suffi. Ouais, j'ai pas... Putain, comment je fais après, en fait? Ah. Pourquoi je me fais chier avec des techniques de speedrunner? Je trouve qu'il y a peu de raisons de retourner sur Mario 64. Après, c'est moi, hein, mais... Non! OMG, je suis la pire des merdes! Oh! Mamma mia Mario! Et il s'est bloqué tout seul comme une merde. Comme il le fait tout le temps. Je préfère, c'est pas non plus le même de la rejouabilité. Mais tu vois, Galaxy... Galaxy, il est rejouable plus, je trouve. Il est plus fun. Mais Galaxy, c'est... Voilà, c'est... Mais pas le 2, par contre, de soi. Mort à Galaxy 2. Je sais pas, j'ai jamais fait arrête, mon mec. Si tu dis que t'as jamais fait Galaxy... Je te crois pas. Car pour moi, je trouvais pas le côté de mon cher étant de Mario 64. Après, moi, j'ai pas directement grandi avec Mario 64, peut-être. Ça fait une différence. C'est que j'ai trouvé une fois de seconde main. Et comment je... Pourquoi tu m'en veux, mec? Qu'est-ce que je t'ai fait, je peux savoir? Ah... J'ai une idée. Oui. Moi je fais chier à essayer de trouver des techniques là. Boum. Alors qu'en fait c'est vraiment tout simple quoi. Mais pourquoi t'es passé à travers mec? Oh j'avais pas assez de thunes pour mon Mario Galaxy. Je comprends.
Non, là, c'était le premier jeu qu'on avait avec la... La Wii avec mon frère. Alors, je vous rappelle, on avait acheté la Wii, on avait séché Mario Galaxy. Enfin, séché. On avait pas tout fait, quoi, mais... On avait atteint Bowser, genre en... En un jour, peut-être. En très peu de temps. Mais putain, mais Mario, arrête de te coincer partout avec ton putain de truc de merde, là. OMG. C'est vraiment la pire des grosses merdes. Quel... Sonic est meilleur. Dire que les deux jeux sont très chouettes, non par contre. Je refuse d'arriver à un consensus comme ça. Moi c'était Mario Bros et Twilight Princess. Mario Bros le premier. C'est drôle d'avoir Mario Bros et Twilight Princess quoi. Deux jeux quand même très différents. Et très espacés dans le temps. En vrai, le jeu avec lequel j'ai le plus grandi, je pense c'est Super Smash Bros Melee. Et World of Warcraft. Les jeux auxquels j'ai pu jouer pendant en grandissant. Non mais non mais Mario, est-ce que je t'ai demandé de sauter à son étage? Non, je t'ai demandé de sauter. Arrête de faire ça Mario ou je te démonte le cul. Accroche-toi. Mais putain de merde. Moi c'est tous les hits de la PS1 et la PS2 comme par exemple les Razmaket. Et Zelda et Mario en général pour moi. En même temps, c'est des bangers. Hein. Pokémon aussi beaucoup pour moi. Mais. Il faut. Non. Don't tell me. Oh non, faut que je redescende. Chercher le putain de truc là. Ah, c'est avec la corde? Ah. Pas con. Oh, pas mal, mec. Bien, ouais, je merci. Sans j'aller chercher le boost, là. Oh non. Ce n'est pas terminé, Anakin. Les glu-glu, attends, je peux pas là. Ok. Waha. Et boum, maintenant on peut faire anti-Mario dans ce monde. Et après, on a plus besoin de retourner au parc d'attractions. Ah non, pardon, il y en a encore deux. My bad. Je croyais que c'était à 7ème, mais c'est à 6ème. J'allais dire GG pour rien. Ah ouais, tu t'es un peu excité. Il y a combien d'étoiles dans chaque niveau? Je crois qu'on a 8, mais nous on doit faire les 7 premières. La septième mission, c'est toujours anti-Mario. Faut que... Faut que j'apporte un Yoshi, c'est ça. OMG. Et que j'ai... Il faut qu'il soit orange. Ah, 10 par monde. OMG. 48 par monde, Foxy, c'est beaucoup. Faut que je lui donne l'ananas qui est juste là, j'imagine. C'est pas un ananas. Qu'est-ce fruit? C'est un du rire? Mais... Ronaldinho Soccer. De la tête que j'ai fait.
J'adore le faute, putain. 40 soleils place des finaux, putain, mec. What the fuck? Il est où l'œuf? Mec, t'aurais pas vu un œuf de Yoshi, mec? Non. Ah, mais il y a un gros bouton jaune là. C'est quoi le bouton jaune? 40! J'en vois où il y en a 5 à peu près. Bon, ça compte tout seul avec les pièces bleues. Les pièces bleues, à mon avis, il y en a 20, hein, déjà. Oh. Je sais pas combien il y en a de pièces bleues, mais il y en a plein avec les pièces bleues. Allez, hop, je me casse. Putain, mais il est où l'œuf de Yoshi, là? OMG. Ah, là! Il veut un ananas. Mec, t'aurais pas vu un ananas? Mec, t'as pas vu un ananas, mec? Ok, non. Mais c'est pas le truc que j'avais, l'ananas. Ou si? Ah non, il est là. Comme jeu. Let's go. Ouais, ça a duré, il me semblait aussi. Hein. Le fruit qui pue. Tiens, prends ça, Yoshi. Et du coup, tu es... orange, comme il le voulait. Sur le manège, on y va. Maintenant tu vomis, Yoshi. Yahoo! Nice. Et là, là, on est téléporté dans une autre dimension maintenant. Pourquoi, on ne sait pas. Oh non, lui, il est chaud aussi. Oh non, lui, horrible aussi. Première partie, ça va. Si je mets la première partie, je suis un petit con. Ok. Vous avez vu la vie, là? Pour avoir la vie, il faut que j'aille sur le bloc bleu. On est y part. J'ai régulièrement envie de faire le long jump de Mario 64. Non. J'ai pas envie de faire un game over parce qu'après on doit redonner l'ananas à ce putain de Yoshi de merde là. C'est pour ça que j'ai envie d'aller prendre la vie pour assurer mon cul. Mince, j'ai ouvert la carte. Allez, yahoo. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas sûr. Oh, j'ai lu une BD qui pourrait vous plaire. Ça s'appelle Carbone et Silicium. C'est sur le thème de l'intelligence artificielle, un peu comme Détroit devient humain, tu vois, par exemple, mais en mieux. Et en vrai, c'est vraiment bien. Ah, mais merde, je peux pas passer là. Oh merde. Ça s'appelle Carbone et Silicium, c'est aux éditions. Oh non, mais je peux pas passer là non plus. Je sais plus à quelle édition c'est. Voilà, on est dedans. Mais c'est très très bien, voilà. Donne-moi la vie, mec. Yes, let's go. Ok, maintenant de l'autre côté. Oh non. J'ai pas le cycle. OMG, je l'ai pas mérité. Et c'était que la première partie, bien sûr. Ok. Qu'est-ce qui va se passer là?
Ok. On sait toujours pas l'édition, mais je sais plus l'édition, je crois que c'est le label 619, mais je suis pas sûr. C'est l'édition, la collection. Tu viens de pas les trucs quand t'as pour le clou? Oh putain, je sais pas moi. Faut demander au pro du jeu là. Dommage. J'étais mal aligné pour mon wall jump. Du coup ça m'a décalé, du coup j'étais mort. Allez, let's go. Ça dépend des clous, c'est comme dans la vraie vie, parfois tu chopes le tétanos, parfois pas. Non mais putain! Mais putain, il s'est accroché, il a lâché, on aurait dit Link dans Ocarina of Time en fait, what the fuck? C'est le dernier vie je crois. Ah non, ça va. Et ça ferait chier de comparer à un jeu qui n'est pas un platformer quand même. Mario. Je sais pas si tu te rends compte. Ils sautent tellement mal, on dirait Animal Crossing, OMG. Allez, on fait le tour pour la vie. On va essayer les clous. Mais oui, je suis un mauvais libraire, hein, par contre. Oh, nice, putain, yes. Allez, on va faire comme ça, tout ça ne s'était jamais passé. Pourquoi t'as fait ça comme saut, Mario? T'es vraiment une grosse conne. Ouais, voilà, je l'ai dit. J'ai dit le mot. J'ai dit le C-word. Mario la grosse conne. Voilà, j'ai dit. Hein? Tu es une grosse conne. Allez, on fait le tour, pour la vie. Voilà. C'était ma dernière composition. On va pas reprendre la pièce, hein, ça valait pas le détour. Putain, c'est déjà 23h15, j'ai arrêté de crier comme une merde. Oh là là. Ok. Maintenant, faut que j'aligne bien le wall jump dans ce jeu. Voilà, là, je partais mal, là. Déjà, vous l'avez vu, là? Sur Minecraft, ça, je reconnais. Putain, mec, t'as tellement de culture. C'est incroyable. Toi, tu m'impressionnes. Comment tu vas, Victor? Je vais faire une Fall Guys, les amis. Ah non. Non, je vais pas faire une Fall Guys. Je vais faire une... je refais le wall jump, ok. Je peux dire bonjour avant le dodo, ah là là. Ça c'est le plus grand honneur qu'on puisse me faire. Hein. Mais putain Mario, t'es une conne. T'es vraiment une conne Mario, t'es vraiment une conne. T'es vraiment un gros putain de con. Allez hop. Ah, on se dit platformer, mais on sait pas sauter. OMG. Mais du coup, bienvenue, Factor. Merci d'être passé. T'arrives peut-être pas au bon moment.
Voilà, c'est moi. Là, c'est moi. Mario, c'est bon. T'as la chance. Là, c'est moi. On passe par l'autre côté, sinon. Jamais. J'ai dit que je faisais une Fall Guys. Mais en vrai, ça m'a l'air plus compliqué de l'autre côté. Parce que là, tu vois, si je rate, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Fait que si je passe par l'autre côté, si je rate, je meurs. Et j'ai pas trop envie. C'est compliqué d'arriver jusqu'ici déjà. Ok. Let's go, j'ai fait une Fall Guys. Oh là là. Toutes ces heures passées sur Fall Guys, donc à peu près une dizaine d'heures, donc ça va. Enfin rendu utile, quoi. J'ai retrouvé un mec qui me dit GG Foxy et que je tombe. Je tombe comme une merde comme ça. Je pense que je t'aurais ban. Boum. Et maintenant on peut poursuivre Mario. Mario d'ombre. Et après on fera le pachinko bien sûr pour Foxy. Bonne nuit Vector, à la prochaine, dors bien, repose-toi bien. Bonne étude ou bon travail demain. Je sais pas si t'as les cours demain ou pas, si tu bosses sur tes cours. Yahoo! Voilà. Bon, c'est bon, là on le démonte, là on... Putain, mais c'est bon, tu es juste rentré dedans, t'es pas en train de mourir, là, Mario. Quel drama queen. Oh, oh, quelle merde, Mario. Mario la merde, quoi. Je sais pas où il est, je l'ai perdu de vue. Il est tellement loin que la musique s'est complètement calmée. Ah, il est là. Viens là, mec. J'arrive pas à le toucher, hein. Je n'arrive pas à le toucher. Là, c'est le seul passage où j'arrive à faire des dégâts, là. Là, j'ai nouveau foncé. J'ai fait exactement la même chose. Ça, c'est... C'est la définition de la folie, hein. Refaire toujours la même chose et s'attendre à ce que le résultat soit différent. Là, moi aussi, je connais la ref, hein. Là, je suis même pas sûr qu'on va arriver à 3, Foxy, hein. Il est où cette fois? Ah là, il est où là-bas? Mais putain, je prends tous les murs, je prends littéralement tous les obstacles. Regardez-moi ça. Et c'est moi qui dois sauver le monde. Ah bah voilà. Let's go. Bravissimo. Ok, au moins il a rougi de douleur, même parfois je comprends pas trop, mais. C'est quoi comme chocolat? Ah! Non, mais si je dis chocolat. Non. Foxy. Si je dis chocolat que je suis en train de manger, je vais me faire cancel par toute la population suisse. Je ne peux pas faire ça. Oh merde. C'est mon chéri. Nouveau trailer Mario ? Let's go.
Non, ça, je garde ça. Open salami. Parce que j'ai fait le goût après avoir posé la question. Ah, j'ai pas vu la question. Ok, les amis. C'est le meilleur chocolat que vous pouvez trouver. En Suisse, bien sûr. Et je n'ai pas honte de le dire. C'est le prix garanti au cornflakes. Et moi, c'est mon chocolat préféré. Voilà. Allez, critiquez. Critiquez, je m'en fous. Le prix garanti crément, c'est un de mes prefs. Let's go. On n'a pas des puristes ici, mais je me suis fait tellement critiquer dans ma vie. Mario Movie. Non, film. Parce qu'on regarde en français. Trailer. Ah! Là, je l'ai en anglais. Ah, bonne annonce VF. Cinéma le 29 mars. C'est pas la même date de sortie que le dernier Fatal Frame, là? Fatal Frame Switch 2023. Ah non, 9 mars. C'est bon. C'est bon. On aurait pu avoir une dinguerie. Enfin, pas de dinguerie. Allez, les amis. C'est la première fois que je fais un react en live, presque, tu vois. On va faire un full screen carrément. Ouais, ça me sent pas mal. Oh là là, l'encodage là, regardez ça, déjà ça marche pas. Carré qui a le seum. J'avoue qu'elle me dit tout le temps qu'il faut que je réacte à des trucs et je réacte jamais. C'est Donkey Kong ? Oh, let's go. Ok, c'est un peu drôle. C'est très drôle. Enfin, j'ai trouvé ça assez drôle. Pas qui je suis, mais je vais bientôt dominer le monde. Waouh. Mais il y a un problème. Cet humain avec une moustache tout comme toi. Vous croyez que je connais tous les sujets? Oh, il est vraiment plombier. Elle a une putain de hallebarde, what the fuck. Je vous fais ça sans problème. Ok, la référence au niveau, c'est cool. Tu viens, Mario? La grande aventure, c'est maintenant. C'est cool qu'ils aient quand même intégré pas mal d'éléments du jeu. Enfin, ça a l'air assez bien intégré. Il y a tellement de galaxies. Les galaxies. Il y a plein de galaxies, mais il y a plein de sunshine, hein. Il a pas dit qu'il y avait plein de sunshine. Oh putain, il a l'aspirateur. Ou il a juste un sac. Est-ce qu'il avait l'aspirateur ou il avait juste un sac? Si l'aspirateur, je suis très content. Putain, il y a même Mario Kart. OMG. C'est la Rainbow Road. Ok. En vrai, ça a l'air pas mal. Moi, ce qui me fait peur, je vais vous dire ce qui me fait peur. Tu ne sais sûrement pas qui je suis. C'est ça. ça me fait peur. Moi, je vais aller le voir. Je sais pas quand, avec qui, comment, mais je vais quand même le voir et j'irai le voir en français. Ce qui me fait peur, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez Illumination. Ou Illumination. Go les deux. Moi, je pense que j'ai une personne qui serait très 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 triste si je n'allais pas avec. Mais on va trouver une solution. C'est les mignons. Exactement. Non, mais on trouvera une solution, Axel. On va tous en meet-up, let's go. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que est-ce que tous les bons passages sont dans le trailer, comme tous les films, et notamment tous les films Illumination, ou est-ce qu'on a encore des choses à découvrir après? Mais par moi, le passage avec Donkey Kong, excusez-moi, mais j'ai trouvé ça très très drôle. C'est parti. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça, c'est très drôle. Voilà. Mais en vrai, il a l'air plutôt pas mal. Il y a beaucoup de références au jeu. Il y a même Mario Kart. Il y a les objets. Il y a le niveau, là. Le niveau, c'était très très cool, là, dans le ciel. Attendez. Ça, c'est très très cool.
Luigi, c'est une vicose. Ça a l'air... Bon, après... Il y a le Big N quand même. Hein. Todd Jones qui dit qu'ils sont trop mignons, ça je m'en fous un peu. Moi, les personnages qui essaient d'attirer ta sympathie comme ça, en explicitant le fait qu'ils soient choux, moi ça m'énerve. C'est tout le principe des mignons en fait. En fait, j'ai peur que les Todd soient un peu des mignons, mais c'est pas grave. Mais il y a quand même le Big N qui surveille. Et je pense que Nintendo, il laisserait pas non plus faire un peu n'importe quoi avec leur mascotte principale. Surtout connaissant Nintendo, je pense que ça doit être très très chiant de bosser avec eux. Les mignons, leur problème, c'est qu'ils font banana prout. Oui, aussi, ouais. C'est des lapins crétins, en pire. Oui. Oui, aussi, ouais. J'espère pas en vrai, mais toi, t'es le perso cute de Mario avec Yoshi. Oh, j'espère qu'il n'y a pas Yoshi. Hein. Oh, j'aime pas Yoshi. Hein. Je suis désolé. Hein. Yoshi, il est là, il apparaît là? Non. Jamais regardé les mignons. J'ai vu le 2 et j'ai passé un moment terrible. Pour l'instant, on n'a pas de signe de Yoshi et moi, ça me fait plaisir. Moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que ce qu'il avait autour de lui, là, Luigi? Tout le monde compte sur nous. Attends, juste avant là. C'est l'aspirateur ou pas? De Luigi's Mansion ou pas? Oui. Oui, il y a des Yoshi. Non! Quand on dit la putain de Ford Ranger, j'ai pas vu. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que ce soit l'aspi. Luigi's Mansion, c'est le meilleur spin-off Mario. Point. Zéro discussion. Enfin voilà, je crois que je crois que je me, j'ai pas envie de dire je me réjouis. Mais je pense qu'il va être, il doit, il peut être plutôt pas mal. Et on a de la chance d'avoir des vrais doubleurs en français, pas comme en anglais. Où Mario est littéralement juste Chris Pratt. On peut entendre Mario. On peut entendre Mario parler, s'il te plaît? On a déjà fait ce réac, non? Non, non, pas du tout. Ce réac, moi je suis un. Il a dit let's go. Ouais, j'aime pas sa voix en anglais. C'est juste Chris Pratt. C'est Chris Pratt qui parle. Did you catch this in the Super Mario Bros. Movie trailer? Mais ta gueule, putain. Moi, j'espère qu'il y aura quand même une référence à Sunshine, par contre. Sinon, je suis déçu. J'espère que Jet est dans le film. Et il sera là. Tu es encore en prison, Mario, pour avoir volé de la drogue. J'ai cru voir une poubelle, ça va être une rêve. Je pense que ça va être une rêve. Attention. Ah, je peux pas le faire si je suis dans l'eau. La reine des abeilles avec son monstre fat butt. Non, je crois que je vais confondre. Lui, le bateau. Ah, il est là. Ok, non, 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 non. Mais putain, mais Mario, t'es la pire des merdes. T'es juste la pire des merdes. T'es vraiment la pire des merdes. Mario, je te déteste. T'es vraiment un connard. Ah! Mais c'est trop tard maintenant. Voilà. Putain. Est-ce que vous voulez vraiment faire le pachinko là? Je dois faire une fois pour montrer à Foxy. Attends, si je fais ça comme ça. Ah, on va faire ça comme ça. Let's go. Je comprends pas qui est Mario à part les petits enfants. Ça, c'est Pachinko. Sur toutes les autres personnes, plus moi, j'adore Luigi. Moi, Luigi, c'est mon perso préf.
Putain, comment on fait le pachinko déjà? Ah oui, comme ça. Voilà. Et si tu chopes pas une pièce rouge, tu meurs. Voilà. Ah là, j'adore ce niveau, il est dingue, on va y arriver. Boum! Oh oui, bah c'est là où je voulais arriver, mais une fois que j'avais toutes les pièces rouges en fait. Quel niveau horrible, hein. Une fois qu'on fait un game over, on n'y retourne plus. Hein. Qui veut son charme, il y avait que les gens compliqués qui n'aiment pas le design de Mario. Super, je suis compliqué. En plus, Peach a l'air intéressante aussi dans le film. Après, je me suis dit que de toute façon, ils n'avaient pas lui donné une personnalité de princesse Nulos. Pas en 2022 quand même. On va raconter des trucs très privés, le Modo et moi, pendant que je faisais ce niveau. Putain. Allez hop. La bonne suce pendant le pachinko. Allez. Le RP érotique par téléphone pendant le pachinko. Un Mario qui bug. Hop. On se calme. Pardon, je suis un peu... Je suis un peu loin, j'avoue. Modo qui a fui au Mexique, hein. El famoso. Je modifie un truc sur la dernière... commande, attendez. Je viens de remarquer un truc. Ok, aucune nouvelle depuis l'incident. Le Pirate Gate. Voilà. Gelato les flots, on dirait une ville française. Oh mais Axel, OMG. Ah oui, faut que j'aille plus vite que lui. Oui. Je me rappelle plus quelle est la strat pour aller plus vite que lui. Oh non, ça commence mal. Did you know? Le type qui court. C'est le running guy dans Ocarina of Time. Ah, dommage, j'étais plus rapide que lui. Putain, mais Mario, OMG. Bon, j'ai foiré. Oh, ça va me faire un game over, le vieux game over, quoi. Je le savais, j'allais faire la ref. Oh non. Oh, il m'a démontaxé, quoi. Là, je vais lui parler, il va me tuer. En fait, le jeu aime te tuer pour aucune raison, quoi. Après, tu fais des game over. J'adore. Le nouveau Link is dead. Le nouveau Link is dead. Et il te ramène à la place Delfino. Let's go. Il pourrait juste te reproposer de recommencer, en fait. Bon, en vrai, c'est moi qui ferai mes sauts, mais quand même. Ah, je vous ai pas montré ma nouvelle manette. C'est au jeu qui sont arrivés après le début du stream. J'ai reçu ma nouvelle manette pour PC. Dans Mario 64, il n'y avait pas de game over si tu ferais une course, j'avoue. Il y avait juste une mort. Je vais voir, alors attends. D'abord, j'attends qu'ils me refassent tout ce putain de texte, parce que, au cas où, je suis débilos, tu vois. Pu
Putain. Boum, deuxième coup. Ah, attends. Donne-moi mon étoile, mec. Did you know my ass is a video game? Pa 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 pa. Yahoo! Ok, c'est 23h30, faut que j'arrête de chanter aussi. Je suis vraiment le pire des connards. Alors, on va passer en mode ASMR, les enfants? Non, je vous montre la manette. Tes collègues sont pas fous. Non, mais ils m'ont rien dit, tu vois, mais c'est moi, c'est normal. Regardez, j'ai une nouvelle manette d'ordinateur. C'est quoi ces pop là derrière toi? C'est pas des pop, putain, c'est des amiibo. Puis ça, c'est le masque de Majora's Mask. Puis là-bas, il y a le coffre de Zelda. Avec les 5 mangas en édition perfecte dedans. C'est l'édition collector des éditions Soleil de cette année. Bref. Ouais. C'est stylé, hein. Il y a des boutons derrière qui me perturbent énormément, mais je peux les programmer. Voilà, et elle est très agréable pour les mains. Je vais faire une collecte sur Bulle. Non, toujours pas. Mais le truc, c'est même pas parce que c'est toi qui me le propose. Hein. C'est juste le fait que. Du coup, bah, je travaille loin en fait. De Bulle. Où est-ce que je vais moi? Faudrait que je reste là-bas. Pièce rouge et coraux. Oh non, elle est chiante cette map. I remember now. Ah non, mais du coup, on a pas besoin de faire le watermelon. Ah non, mais c'est bon alors. Chill. Un colloque dans le bed où tu travailles. Je dis adieu à mes amis et ma famille. Je crois que les colloques j'ai donné. Hein. Je suis désolé. I think I need to be alone. Comme un vieux ermite. 5 ans que je suis en coloc. Je vais être seul, oui. Oui, j'ai plus la force de. Comment je vais sous l'eau? Oh, faut que je parle à un connard, c'est ça. Hein. Comment je vais sous l'eau? Ça, jamais ça avec les voix dans ta tête. Putain, mec, t'as 3 ans. Too real. Ah, comme ça. OMG, Y. Écoute, les voix dans ma tête sont des vrais gens, par contre. Hein. Putain, mais viens là. Viens la pièce de merde. Oh, putain. Quelle mission horrible. Ok, let's go. Un héros qui lit pas les messages. En vrai, ok, je dirais pas non à vivre seul. Un peu. Tu vois? Oui, non, je lis pas en haut les usernames en rose parce que le rose c'est PD. Voilà, tout simplement. C'est nul comme couleur. Couleur de fille, là. Non, mais excuse-moi, j'ai pas eu ton message, je suis concentré. C'est problématique ça. Non, mais c'est une blague. Je dis ça parce que c'est vous me connaissez, hein. Vous savez que j'adore tout le monde. Moi ça me fume, Liliam dès qu'on lit pas un de ses messages, elle dit ok, tu lis pas un message, what the fuck. Ça me fume. J'ai un ami bi, tu peux. Ah ouais, ok, cool. Moi pas par contre. Il me rappelle le pirate qui était à chaque taille dire 5 pouces. Quand un CR qui disait pas mes messages, ça s'affiche pas. Bah, toi, si ça s'affiche pas, tu peux pas lire. Hein. Oh non, dégage le poisson.
Laisse-moi choper la pièce, OMG. Lâche-moi. Je suis pas ton père. Putain, mais regardez la pièce, elle me fuit. What the fuck? Mais putain, mais. Elle est où cette pièce? T'as vu comme tu mates Gérald, je sais pas si t'es bi. Je sais pas si t'es bi aussi, fallait être là au, à mon dernier stream, hein, Liam, t'as eu la réponse. J'ai raté quoi encore plein de choses. Mais comment je la chope? Je... En fait, elle me fuit, littéralement elle me fuit. Putain. Comment on chope cette pièce? Pas et il manque 3 pièces. Mais il a... Ah là-bas il y en a une. Ok. Faut regarder la VOD, hein, Liam qui sort demain. Demain 11h. En vrai, tu peux regarder, tu peux regarder que la fin de la VOD, la dernière heure peut-être. Ça suffira. T'auras tout le contexte. Ouais, juste la dernière heure, ça fait le temps que tu manges et tout, là. C'est pas mal, non? En vrai, je sors exprès une VOD à 11h pour les gens qui mangent, comme ça. Tu vois, c'est stratégique. Hein. Bah, une petite VOD. De 3h pour votre pause de midi. Il manque une pièce. Sans compter la pièce qui me fuit. Je ne sais que faire de la pièce qui me fuit. De pièces. Mais regardez! Si je m'approche, elle accélère à Chouin. Puis après, elle va dans le sol. Qu'est-ce que je dois faire? Elle est là-bas maintenant, what the fuck? Ah mais il y en a deux, en fait c'est peut-être les deux elles fuient. Mais j'ai... Ah oui, il y en a deux qui se déplacent. Non. C'est la même. Pour l'interrogation. Ah non, elles sont différentes. Je sais pas comment je l'ai eu. Ah mais je peux speeder comme ça, je suis trop con. Ok. Bonjour. Elle est où? Sors d'ici. Sors de mon cul. Littéralement mon colon actuellement. Non mais dégage toi. La technique, c'est juste de lui courir après comme un malade mental, en fait. J'ai pas trop compris ce que j'ai fait, mais ça a marché. C'est vrai que si on faisait une coque de streamer, Axel, on pourrait faire une putain de web TV, quoi. Imagine. Imagine web TV, quoi. C'est comme une maison TikTok, quoi. Une TikTok house, mais c'est une Twitch house
Web TV. Je suis aussi du sol. En vrai, ça fait du bien du sol. Surtout comme quand tu travailles comme moi et que tu vois des clients chiants toute la journée. Enfin, voilà, quoi. Toi, tu peux pas relate, mais... Hors d'intimité. Pour être tout nu, par exemple, c'est ça que tu veux dire? Anti Mario à la plage. Parle de client chiant, vas-y. Lâche-toi, Foxy. Attendez. Moi, faut que je sorte mon labello, j'ai left. J'ai left supérieur, toujours ultra sèche. Par contre, je marchais tout nu. C'est vrai que ça m'aurait pas surpris d'elle. Hein. Alors Mario, on est nul. Bah super. Mais... Content de voir qu'on se contrôle ici. Ah mais ici c'est un stream pour tout âge. Mais je peux pas tourner la caméra. Attends, je te dis tout de suite. Il est où ce con? Oh, quand le jazz revient et que t'as plus la musique stressante là, c'est que t'as vraiment foiré. Hein. Mon ancienne collègue a envoyé un snap disant qu'elle avait fini en pleurs au tel avec la responsable de son magasin actuel. À cause de la méchanceté d'une cliente, je trouve les gens tristement méchants. Je sais pas encore le contexte. Ah oh, mais ça m'étonne pas. Hein. Les gens sont des bâtards. Hein. Moi, ce qui me fait rire, c'est que bah, là où je travaille, je sais pas, je vous expliquais qu'il y a une action avec les auteurs de la région et tout. Et les gens, c'est vraiment des rats. Hein. Ils font tout pour avoir un maximum de livres gratos. Genre, il y a un couple qui est venu. Ils avaient deux livres à acheter pour leur fille. Ils ont fait exprès de payer séparément pour avoir deux livres gratuits. C'est des livres à 5 balles. Puis ils comprennent pas, t'es là, non mais vous pouvez en prendre qu'un seul en fait. Ça, ouais mais on paye en deux fois. Qu'est-ce que ça change? Les clients sont vraiment des cons. Moi, au bout d'un moment, j'aurais arrêté de travailler dans la clientèle, hein, j'en aurais marre. De ouf, hein. J'ai jamais pleuré pour un client, je crois pas. Mais parce que j'arrive assez bien à calmer les gens. Avec l'humour. Je fais des blagues et les gens se calment tout de suite. Mais je fais des tricks très spectacles, j'ai même pas fait rire et j'ai même pas fait gaffe à ce que j'ai fait. Hein. À Hokkaidi, pour la rentrée, il y a des promos à acheter le deuxième à moins 50%. Ah ouais, je pense que les gens ils abusent de ouf. Moi je deviens flippant et ça marche. Tu sors un couteau comme ça, les couteaux papillons là, tu fais. Tu jonques devant là. Ça les calme, hein. On est avec quelle heure, 23h50, t'as l'air encore du temps. Il dit quand même qu'il comprenait pas que la caisse faisait automatiquement le tri pour que les produits soient rangés par ordre de prix pour que ce soit pas que les moins chers qui passent. Moi généralement c'est justement uniquement sur les moins chers qu'il y a ce genre de truc. Mais je suis surpris que vous fassiez pas ça automatiquement sur le moins cher. Et les gens payaient séparément jusqu'au cas où, alors qu'on leur disait bien que la caisse faisait automatiquement et du coup on leur annonçait par exemple 50-35. Putain. Mais. Mario. Voilà. Il est où le bro là en fait? Ah, pas là. Oh mais les gens sont des malades, hein. Les gens sont des malades. Tout le monde devrait passer un moment par du travail en clientèle, juste pour que les gens comprennent à quel point les gens sont des bâtards. Faut pas faire confiance au capitalisme.
Moi j'ai jamais eu confiance au capitalisme, et pourtant le capitalisme me nourrit en fait. Ah, il est en haut ce bâtard. Faut finir en prison, bah super, avec déjà vous. Moi j'aimerais bien aller en prison. Pour l'expérience, tu vois. Pour raconter à mes enfants après. Que je n'aurai pas. Pardon mec, je fais pas de sauter dessus, mais j'arrive pas à te parler. Ah voilà. Je comprends la carte, mais quel intérêt de mentir sur le fait que la caisse trip pour que ça leur soit avantageux. C'est sûr qu'ils verraient le détail complet sur le ticket. Non mais les gens sont des malades. Les gens ont pas confiance, les gens ont confiance en personne. C'est des bâtards. Voilà. Tu sembles être prêt, toutes ces souillures sont causées par une anguille géante. Elle a élu domicile au fond de la baie. Ok. Que vous êtes le capitalisme. Oui, mais on n'est pas non plus des monstres bâtards, on est un petit peu des bâtards. En vrai, ça dépend où tu travailles, je pense, mais... Ok, faut que je nettoie les dents de l'anguille. Ah oui, je vois ce que c'est. Je crois que c'est insupportable comme level. Allez hop. En fait, ouais, vraiment, j'aime rien dans ce jeu. Moi, je suis un salarié avec la thune et je sais que c'est mon plus gros défaut. Faux, mais faut me comprendre. C'est pour ça que tu subs jamais. Oh là. Si j'ai pas de thune, je peux pas sauver ma famille. De la famille Yakuza adverse. Je comprends, mec. Allez hop, Mario passe au dentiste. La seule fois que j'ai pleuré devant des clients, c'est la première fois que je me suis retrouvé seul en caisse au moment où ils ont annoncé que les cartes d'identité étaient valables 15 ans au lieu de 10. Et on n'avait pas eu de note de la direction comme quoi on prenait la loi en compte pour les prises de chèques. Du coup, j'ai pas voulu encaisser un client en chèque en l'attente de ma responsable. Et les deviers nous ont insulté d'incapables, d'incompétentes, de petites insolentes. Oh oui, ça c'est souvent les vieux hein, d'ailleurs. By the way. Ou des darons. Avec leur bébé là derrière. Les vieux, faut les comprendre, ils sont aigris. Leur vie, c'est devenu de la merde. Oh non, il a perdu une dent, le pauvre. Je t'appelle majeur, donc... Toute jeune en saut dans le magasin. Ça, oh, par ça, c'est pas cool. Quatre fois que si, j'aurais torqué, certes, mais je suis jeune et vivant. Certes, mais moi, je ne suis pas bientôt morte. Vas-y, ouvre le grand ta bouche, là. On va faire un détartrage là. Allez, je vais chercher des pièces mec, t'inquiète pas, je reviens. C'est un client d'après qui a été une mamie aussi, elle m'a dit, il pleut pas comme ça, vous êtes très professionnel, ce sont elles les vieilles bourgeoises aigries. Oh non, des vieux qui sont gentils, ça contredit ma théorie. En vrai, j'aurais aussi... Non, mais en vrai, à part ça, c'est horrible hein, de faire insulter gratuitement. J'ai des collègues qui se sont fait insulter gratuitement aussi. C'est terrible, quoi. Pourquoi les gens font ça? Maintenant, non, t'aurais pas parlé parce que t'es un vrai homme, mais à l'époque, quand t'étais pas vraiment un vrai homme, t'étais pas musclé et informaticien. À l'époque où t'étais speedrunner. T'es le 15 et la loi avait été annoncée le 14. Ouais, non, mais je comprends. Hein. Ouais, ce qui se passe quand on... Oh, le jeu qui fait une morale là.
T'as eu un déjà vu. I've just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Oh regardez le cœur. Oh le cœur en pièces là, c'est chou. J'avais jamais vu. Il m'a fait un cœur quoi. En même temps il a vu mon boule pendant toute la mission, je comprends moi si je me serais fait un cœur. Putain non, si le premier coup de cette mission je pensais pas. Hihi. On est à 38 étoiles, plus que 12 étoiles. Non, un peu plus que 12 parce que j'ai fait des étoiles qui servent à rien. Shagoko comprend rien qu'elle est encore en larmes. Je me moque pas d'elle. Hein. Je ne ris pas d'elle, je ris avec elle. La baignade d'il piantissimo. Oh non. Pas lui de nouveau. Oh, j'ai arrêté le jeu pour ce soir, j'ai pas envie de faire lui. Allez hop. Oh là là. Je pourrais faire lui. Je suis pas assez frais. Mais c'est pas sur un Smash Bros, bien sûr. Non. Non, merde, je vais quitter. C'est pas sur un petit Pokémon, bien sûr. Demain, je continue de lire. Hein, si jamais. On verra si je lance le stream quand je rattrape ou pas encore. Un petit zoom. Un petit Mario Kart. Putain, je vais me faire un petit Mario Kart, là. Le soir ou l'après-midi? Le soir. L'après-midi, je vois ton frère. Je peux pas tout fermer. Ils ont oublié de couper le stream, là je me mets à me branler furieusement quoi. Ne inquiétez pas, ce sont les choses qui arrivent. Non, c'est pas le bon jeu ça. Il est où? Ah là. J'ai des jeux partout, OMG. Ah, les Pokémon. Je l'avais oublié lui. Je vais me faire un Mario Kart là. Et de rager de ouf. Je vais faire une course et ça me fait rager. Les gens qui font ça devant leur ordi sont trop sereins. Moi j'ose pas. Depuis que j'ai une caméra, c'est over, mec. C'est over Anakin. Je possède le sol élevé, en fait. Anakin, tout simplement. Ah, petit Mario Kart, là. On fait un Mario Kart. Ah ouais, non, mais de ouf. Je crois que j'ai envie de faire un Mario Kart tout à coup. Je vais faire 4 courses. Puis je vais en avoir marre. Ah, je suis en écran, hein, je suis pas sur la bonne scène. Depuis combien de temps je suis sur la mauvaise scène, OMG? Je suis nul à chier. Enfin, non, en vrai, je suis pas si mauvais que ça. Mais vraiment, j'ai rien débloqué dans le jeu. Hop, on va faire un petit solo là. Je vais faire les grands prix. Je vais faire un grand prix. Bien sûr, je joue le personnage le plus important, c'est Wabu. Wabu, c'est le personnage le plus important. Regardez, j'ai débloqué quelque chose. Des roues normales. Nice. Même pas Ink. Non, même pas Ink, mec. Je sais plus ce que je prenais comme. J'ai pas le véhicule que je prends généralement. Mais je crois que j'ai remplacé par celui-ci. Inkling, pardon, c'est Kara la pro Splatoon, mais t'as tout essayé mec, t'as tout essayé, t'inquiète pas. On les rend bas, les routes basses bien sûr. Allez, on va kiffer de ouf. Et j'ai les DLC. Ah ça j'ai les DLC, incroyable.
Incroyable. Alors, enfin, j'ai fait aucune coupe à faire pour un coup. Voilà, juste pour le fun. Pour chiller. C'est devenu une sorte de stream just chatting, mais avec moi qui joue à Mario Kart en arrière-plan. C'est comment vous allez, les amis. Qu'est-ce que vous avez prévu cette semaine debout? Mais j'ai rien prévu de spécial, mis à part commencer un nouveau taf jeudi. Oh, let's go. Bon virage, quoi. Ok, vous avez rien prévu la semaine, c'est énorme. Du coup, demain, je pense que le stream commencera vers 20h. Et du coup, si je stream le début, je commencerai vers 19h, mais je garantis pas encore. Je garantis pas ce que je fais, enfin, à quelle heure je commence les choses. On verra demain. Ça dépend à quelle heure je finis le rendez-vous avec ton bro. Mais laisse-moi le temps d'écrire, jamais mec. Faut être plus rapide, hein. Non! Putain, j'ai... Je me suis débarrassé de mon objet. J'ai tout effacé pour écrire ça. Oh, la tragédie d'un homme, quoi. Regardez comme je les démonte, les ordinateurs. Trop facile ce jeu, en fait. C'est parce que j'ai pas encore eu la bleue. Ah voilà, elle est là. Elle est là, elle arrive. Allez hop! C'est aussi un jeu sur lequel je suis pas serein de jouer en ligne. J'ai chaud. J'ai eu très très chaud au cul, hein. Demain soir j'ai des cours d'allemand. Putain mec, demain soir. Mais c'est mercredi. Je dis j'ai des cours toute la journée. On en dit aussi. Samedi j'ai un cours le matin, mais ça va être sympa. Mais je dois envoyer des lettres. Et appeler des médecins. Ça va quoi. C'est une petite semaine quoi. More like merde de... merde sain. Hein. Ah, si jamais je fais vraiment juste cette coupe et après j'arrête. Hein. Vous inquiétez pas, les amis. J'ai juste envie de faire une petite course Mario Kart avec vous. C'est ça ou un petit Fire Emblem, quoi. Ça, c'est ma map préférée, si jamais. Si jamais vous voulez, un jour vous jouez avec moi et vous voulez me faire plaisir. Ça, c'est un, je sais pas si c'est ma préférée, mais c'est une de mes préférées. J'aime trop l'eau sur cette map. Elle me donne envie de me rafraîchir. Putain, j'ai foiré. Ok, deux à la suite. Calmez-vous, les amis. Daisy qui m'a dépassé. Go baignade, let's go maintenant. Tout simplement maintenant, en fait. Maintenant, dans, tout nu dans le lac. Putain, elle me stream snipe, quoi. Ça doit passer à l'ordinateur, en fait. Non, mais elle est trop bien, cette map. Moi, je l'aime trop. La première fois que j'ai joué sur la Wii U, parce que oui, j'ai aussi ce jeu sur la Wii U, bien sûr. Mais putain, mais arrêtez de me persécuter, en fait. Au bout d'un moment, c'est du bullying, hein. Le jeu qui me donne une pièce derrière, quoi. J'ai pris déjà deux rouges et une bleue, en fait. Elle envoie sa rouge à l'envers, et... Isabelle, sur tout de suite, également. Non, c'est Marie, en français. Oh, je connais. Je connais pas les cuts. Ah oui, je connais les cuts en fait. Trop tard.
J'ai vraiment eu que des pièces, quoi. C'est énorme. Ma pote a eu un bug de caisse de promo à la cliente qui a mis une pression monstre, et comme elle a raté un examen oral ce matin, plus prise de tête deux fois que son mec, c'était le truc de trop la pauvre. Eh bien, dis-lui que pour se changer les idées, elle n'a qu'à venir sur le stream et lâcher un bon gros follow, bien sûr. C'est une blague, hein. Pensez avec elle. En plus, vous allez croire que je suis sérieux au bout d'un moment. Il faut quitter son homme, bien sûr, et arrêter ses études comme j'ai fait. C'est vrai que le jour où t'as quitté ton homme, toi, ça m'a vraiment surpris. Hein. Je m'y attendais vraiment pas, mec. Non, mais putain, mais Mascas qui me stream snipe aussi. Par des ordi, je te jure, quoi. Fallait pas dire que c'était des ordinateurs, putain, fallait dire que c'était les champions du monde. Fallait pas sortir la vérité, quoi. Non, mais la carapace rouge, respecte-toi. En fait, c'est ça qui m'énerve dans ce jeu. C'est que t'as beau ultra bien jouer, t'as beau faire une run ultra clean, je dis pas que ma run était ultra clean, hein. T'as beau faire une run ultra clean, tu te prends un objet au mauvais moment et c'est fini. Comment tu veux t'amuser dans un jeu comme ça? Pardon, oui, excuse-toi, Foxy. Excuse-toi. Oh! Oh, le virage. Ah, mais j'ai déjà deux objets. OMG. J'ai pas vu que j'avais une bombe derrière. Je vais garder ce klaxon pour l'inévitable bleu. Mais j'ai... Ou l'inévitable rouge. Vous n'avez pas vu cette bombe. Ah, il y a les bleus qui arrivent. T'inquiète, Mascas, vas-y, fonce. Fonce, mec. Vite ta meilleure vie. Ouh, j'aurais pas kiffé, mec. Boum. Ça joue juste d'avoir le meilleur véhicule. Non, OMG, qu'est-ce que je fais? Putain, mais j'en ai marre de rien avoir pour me protéger. Hein. Et là, boum. Ok, bon. Easy. Regardez comme je suis bon à ce jeu, putain. On fait quoi un tournoi là sur le Discord de OMG? En vrai, on pourrait organiser un tournoi. Ah ouais, ce serait cool en vrai. Organiser un tournoi sur le Discord. Et qui a Mario Kart? Il y a Flober est trop chiant sur Mario Kart, elle joue bien. Toi, t'as pas. Tu sais ce qu'il te reste à faire avec... Moi, je l'ai sur Wii U, mais je pense pas que c'est cross-platform. Après, ouais, tu peux demander contre le pote. Ouais. Je crois que Lilium est la. J'ai la photo la moto de Link sur le profil de mon copain. Tout le monde a la moto de Link, non? Vu que c'était un DLC. Ah, ton frère là! Putain, ouais, je suis sûr qu'il te le prête. Enfin, mon cousin. C'est compliqué. Il y a Lilium qui a, je pense que. Enfin, peut-être qu'Eve là, mais Eve elle veut pas payer pour l'online. Parce qu'en plus, oui, il faut avoir l'online en plus, faut pas oublier les amis, bien sûr. Non, tu as la moto en faisant des courses, mais je m'adapterai. Bon, tu peux utiliser hein, si tu veux. Hein. Bonsoir. De toute façon, je suis pas là pour gagner le tournoi, moi je suis là pour le streamer et me faire un max de viewers. Donc. En plus, bah justement, Flaubert elle avait trop envie d'organiser des tournois de Mario Kart dans, à l'Uni où elle est. Puis il y a personne qui voulait jamais participer. Elle était trop dague, donc je pense que ça lui ferait plaisir. Ouais, je vais lui en parler demain. Mais je pense qu'on a un concept. Hein. Et gagnant, bien sûr, remportera toute ma...
toute ma gentillesse et toute mon amitié. Putain de carapace bleue de ses morts. Allez hop. Fait une tirer des chips en même temps, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais non! Mais non, elle s'est pas pris ma bombe! Je suis passé de côté, j'ai pas confiance en la Big Roux là. Par contre, si tout le Discord participe, il va y avoir un Mario Kart. elle a pas Mario Kart. Elle a pas la Switch. Non, elle a pas définitivement. Après, c'est pas notre faute, il a pas la console et les jeux. Hein. Enfin, un truc de vote pour qui veut. Ouais, après, t'organises ça, tu fais ça de manière clean, tu vois. Les gens valident leur participation, quoi. Personne ne prend le roi bout, bien sûr, à part moi. Parce que je suis le roi de ce stream. Tout simplement. C'est notre faute en faisant lui une. Je prends Mario. Mec, ça m'étonne pas. Regardez, j'ai gagné. J'ai gagné le Grand Prix. Regardez ces moves de pro que j'ai fait là. Regardez quand j'ai fait ça. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez quand j'ai tourné, je me suis pris une carapace bleue. Regardez quand je me suis fait dépasser, mais j'ai redépassé derrière. Et il s'est passé tout ça, ouais. Regardez, j'ai fait un full premier, quoi. Quel pro je suis, bien sûr. On va pas montrer que c'était contre des ordinateurs. Regardez pas. On a lancé 120 pièces, let's go. Ah, faut que je me fasse un mi. Faut que je fasse un mi. Mon mi sur Mario Kart, c'est littéralement... Attendez. C'est le mi de base. Je vais faire ça. Allez, créons un mi. Copier un mi depuis un amiibo. Non. À partir de zéro. Je vais faire un truc moche. Je vais faire un truc horrible. Allez, faisons ça. On passe sur Just Chatting, là, maintenant. Hop. Oh, tellement de catégories dans ce stream. Oh, le stream du déchet, quoi. Oh, le giga chad, là. Quoique, non, c'est plus ça. Non, c'est plus ça, giga chad. Hein. Je peux pas mettre plusieurs trucs en même temps, ça c'est n'importe quoi. Je comprends pas trop tous ces trucs, hein. Oh, le monton. Oh, nice. Ah, je pensais que je serais couleur de ma barbe. Never mind. Peu rosé comme ça. Moi j'aime bien. Ça c'est vraiment des sourcils horribles. Oh, c'est pas mal ça, attends. Oh, on dirige du maquillage de guerre. Oh, j'aime beaucoup ça. Ah, c'est pas mal ça. Oh, mon nez qui tombe. Je vais me coucher finalement, j'avais pas vu là. T'as vu cette heure quoi, what the fuck. Mais alors, bonne nuit Foxy, merci d'être passé. Qu'est-ce qui se passe? Courage à toi, merci, bonne nuit. Dors bien. Et puis à la prochaine, peut-être à demain si tu passes, je ne sais pas.
On dirait un peu des moustaches italiens, mais un peu hautes. Mais je peux pas les descendre plus. Mais si je, si je monte ma bouche. Ah, je vais mettre double moustache. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Attends, je vais avoir une... Ah, je suis pas un grand fan hein, de ce qui se passe. Là, j'aime bien, là. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Je peux augmenter la taille de ma moustache. Oh oui, très bien. Très très bien. Attendez, j'ai quoi comme couleur de cheveux là? Plus de choix. Oh, oh non. Oh, c'est très bien ce qui se passe là actuellement. Coiffure. Faut que l'on change de coiffure là, ça va pas. Oh putain, je suis en train de créer une horreur. Bonjour, un petit bonnet. Il y a tellement de choix de coiffure par rapport à la Wii. Allo YouTube. Salut YouTube. N'hésite pas à lâcher un monstre like. Et à t'abonner. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Laisse un commentaire aussi pour savoir ce que t'as pensé de la vidéo. Je suis bon pour ça, hein. Je pense que je pourrais faire une carrière là-dedans. Ah, mais j'ai bien la première coiffure là, que j'ai mis, elle était super. Là. Ça? Ça, c'est super, ça. Du coup, faut que je mette aussi le violet, mais je sais pas quel, je sais plus quel violet j'ai mis. C'était celui-ci? Non, c'était celui-ci. C'est quoi ces barres? Oh, c'est ces cernes, c'est normal. T'inquiète pas, c'est normal. Ça c'est très bien ça comme mieux. Comme mieux. C'est quoi ce stream? Je sais pas non plus par contre. Je vais mettre ça, moi j'aime beaucoup celle-ci. On va monter un peu. Hein. Oh! Oh l'horreur. Oh, ils sont posés sur la ligne. Oh, c'est très bien ça. Oh non. Oh, quelle horreur. Faut les faire rouges. Ah, je pensais que ce serait plus menaçant. On a une sorte d'insecte hybride. Attends, du coup, faut que je les monte un peu. Voilà. Je veux un max de rouge à lèvres. Oh oui, c'est pas mal ça. Oh, oh la bouche de Kikou. C'est pas mal ça, j'aime bien ça. Non, j'aime bien ça. Ok. Oh les poutous quoi. Est-ce que je peux mettre en noir parce que je suis un peu gothique quand même? Ouais, c'est un peu trop noir. Hein. Mais rouge, c'est pas mal. Hein. Ça va bien avec les yeux. Grain de beauté. Un petit grain de beauté. De l'appropriation culturelle. On dirait mangeant trop de trucs. Mais l'homme derrière, il a pas d'yeux. Tu vois derrière, t'es là. Ah! Salut Jean-Michel, et puis il se retourne, t'es là. Oh. Attends, du coup, regarde. Hey, salut Jean-Michel! Tu! Est-ce que c'est l'appropriation culturelle de faire ça? Même si je le mets là haut, on le voit pas. C'est discret. Ah, ça, tu changes pas. Faut faire monstre grand. Et très maigre.
C'est Slenderman. Une petite lunette peut-être. Oh, ça me... Oh, en vrai, j'aime bien que les lunettes soient pas sur les yeux, mais le problème, c'est qu'elles sont quand même un peu trop grandes. Est-ce que je peux modifier leur taille? Oui. Je mets des petites... Je mets des petites lunettes comme ça, rondes, bien rondes. Et les poser sur son nez comme ça. Un tout petit peu plus grande, hop. Quelle couleur les lunettes? Quelle couleur les lunettes? Bleu comme ça, ouais, allez, partons là-dessus. Et la couleur. Mais sur le violet. Bon, ça me semble logique. Hein. C'est nous, en fait, tout simplement. C'est moi. Ça, c'est mon. C'est le peak mail performance, comment dire. Ça me semble pas mal. Voilà. Je crois que c'est une belle façon de finir le stream. Finir le stream de manière générale, hein. Faut que j'arrête là-dessus. Hein. Faut que je quitte cette carrière. Hein. Moi, ce qui me saoule, c'est que là, t'as Amiibo. Tu peux choper des costumes pour Temi. Mais, mon Mart, il fonctionne pas. Je peux pas utiliser Mart, quoi. Regardez. Il y a plein de personnages comme ça, mais Mart, il veut pas. Par contre, j'ai Donkey Kong et Mario. Mais j'ai mes Draco Feu non plus, tu vois. Par contre, Sonic, oui. Je peux savoir pourquoi. Hein? Vous avez pas eu les droits, c'est ça? Ah, bref. Quel stream de l'enfer. En vrai, j'ai passé une excellente soirée. Marthe est pas douée sur une moto. Parce que Donkey Kong, oui, peut-être. Parce que Samus, oui. Parce que Kirby, oui. Ouais, Samus, oui, en vrai, ouais. C'est vrai que j'ai remarqué en le disant, j'étais, oh merde. Ah, mauvaise musique. Man. Another door. Hello, door. Hey. Wow. Mamma mia. Another door. Hello, door. Mais c'est Tommy Wiseau, en fait. Feeling good. Let's go. Yes. Voilà. Je pense que c'était important comme vidéo. Ah, mais je passais une chouette soirée, hein, merci. C'était sympa. On a pas mal avancé, mine de rien, dans Sunshine. Et on s'est fait un petit Mario Kart, là, comme ça. Chilous Pépouze. Ça nous a donné des idées terribles, ça va être super. Ça va être super. J'aime bien ce genre de stream un peu déconstruit, quoi. Oh non, tu mets une masse-casse. Pour moi, masse-casse, ça rime avec le type qui avait pas le jeu quand tu jouais sur DS. Et du coup, quand il jouait gratuitement avec toi, bah, il avait masse-casse. Alors que le roi Bou. Le roi Bou, il est dingue. Il est trop bien, le roi Bou. Il fait... Mais l'imitation du roi Bou. Hein. Oh, ça, c'est triste. Hein. Toi, tu joues Mario. Moi, les gens qui me rendent triste, c'est les gens qui jouent Waluigi sur la chenille. Oh, mais c'est la manière optimisée de jouer le jeu. Comment tu veux jouer de manière optimisée à Mario Kart? C'est Mario Kart. De toute façon, tu vas te prendre une bleue et perdre. Pourquoi Robou c'est un poids moyen alors qu'il pèse rien?
Il pèse grave dans le game. Hein. T'as pas joué à Luigi's Mansion, c'est pour ça. Ça, c'est pas, ça a pas zéro de poids, hein. C'est pas zéro gramme un fantôme. Il y a tout le poids de sa connaissance. Et alors, ça, je peux te dire que le roi Bou, il est connaisseur de ouf. Hein. Il connaît tous les recoins de ma vie. Il m'espionne depuis 3 ans. Mais il m'aura pas, ce bâtard. Bon, les amis, c'est minuit et demi. Moi, je vais aller me pioter parce que demain, je me réveille. Je ne travaille pas, mais je me réveille. Et je suis un peu fatigué. Aujourd'hui, longue journée. Mais merci pour le stream. C'était bien fun. C'était bien sympa. Pourquoi faire? Je vais aller marcher. Ouais, quelle idée, je sais. C'était pas mon idée. Bonne nuit tout le monde. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, bien sûr, le dictionnaire étymologique. Collection référence chez Larousse. Bonne nuit, dormez bien, prenez soin de vous. On se voit demain soir pour la suite de Nier. Je pense qu'on devrait gentiment arriver à la deuxième fin. Je pense qu'on va arriver à la deuxième fin et on va pouvoir commencer la troisième et dernier playthrough. Donc en fait, on est bientôt à la fin de Nier, je pense. Encore 2 streams, 3 max. Voilà. Allez, après on fera soit Paper Mario, soit autre chose, on verra. Bisous tout le monde, vous êtes super. À la prochaine. Bonne nuit. Je vous baise.